Ça fonctionne, ouais, nickel. Excusez-moi, petit problème de son. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. On est vendredi 21 avril 2023, c'est le 15e Open Bar. Et je sais pas trop quoi vous présenter aujourd'hui. Je sais juste qu'on va parler un peu d'Erlang, on va parler un peu de nos STR. Et on va faire d'abord, à mon avis, un petit point sur les news, voir ce qui se passe un peu dans le monde. En tout cas au niveau informatique, parce que je pense personne n'a trop envie de voir ce qui se passe dans le monde réellement. C'est un peu la merde partout. Allez, regardons ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu du côté d'Erlang OTP comme annonce? Ah oui, il y a eu un article qui est vraiment pas mal, que j'ai pas eu le temps de lire, parce qu'il est assez copieux pour le coup. C'est tout sur l'optimisation. Du JIT, donc du Just in Time. Franchement, l'article, j'ai lu en diagonale, il est bien copieux. Je vous invite sincèrement à le regarder si vous avez l'occasion. J'aimerais bien le commenter, mais je sais pas combien de temps ils ont mis à l'écrire cet article. Il est vraiment hardcore. Pour le coup, c'est rare de voir autant de bas niveau genre assembleur. Hein. Directement sur un langage en fait en gros évolué quoi. Et au niveau, c'est assez impressionnant. Donc, je vous invite à le lire. Comme j'ai dit, je l'ai lu en diagonale. Si je commence à le lire là maintenant avec vous, je crois qu'on est parti pour 3 heures, parce qu'il y a vraiment trop de trucs à voir, trop de trucs à tester. Par exemple, il y a toute la partie assembleur à voir qui est super, super intéressante. Et donc bon. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment. Peut-être un de ces quatre, on aura le temps de le faire. On verra ça plus tard. Alors, ensuite, un petit nettoyage au niveau d'ici. Comment on fait pour marquer que c'est lui tout ça? Ça, c'est quoi? Donc, 2019, 2021, c'est un peu vieux. Planétaire Long, c'est pareil, c'est un petit peu vieux. Ok, est-ce que Monsieur Ferrer, il n'a rien sorti? Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? Qu'est-ce que linear runtime script? Je verrai ça plus tard. Bon, à voir ça aussi plus tard. Je pense qu'on va passer directement sur le point sur nos STR. Hop, toi, dégage. Et faisons un tour ici. Donc, pour les personnes qui suivent un peu les news, ou du moins mes news, il y a les shortcuts qui ont commencé donc il y a maintenant presque un mois, peut-être un petit peu plus d'un mois. Donc le principe des shortcuts, comme je l'avais expliqué, c'était que je trouve un peu plus de temps pour coder sans avoir pour autant expliqué tout ce que je fais, ce que ça m'impactait d'un point de vue productivité, mais aussi d'un point de vue fatigue. C'est extrêmement compliqué d'expliquer en fait le processus de développement quand il n'y a rien de préparé. Donc les shortcuts, je trouve qu'ils ont commencé à avoir une belle gueule. Il y a eu beaucoup de choses qu'ont avancé. Alors je suis pas encore très bien organisé parce que ça dépend de mes horaires et tout. Mais les shortcuts, l'avantage c'est que c'est quelque chose qui est fixé au niveau temps. Je dépasse pas les 30 minutes généralement. C'est pour ça que vous avez des vidéos sur YouTube actuellement de 30 minutes qui sont diffusées assez fréquemment avec le titre shortcut. Et le but c'est que ça me permet d'avoir une idée de ce que je produis au fur et à mesure et d'avoir un niveau d'avancement à peu près clair sur ce que je fais. Donc je propose qu'on va faire un petit point, enfin, on va faire un petit point sur l'infrastructure et ce que j'ai déjà réalisé et ce que j'ai découvert au fur et à mesure de développer le code actuellement. Donc toujours ça se décompose en Pomodoro. À chaque fois que vous avez un shortcut, en fait,
C'est 30 minutes, c'est 25 minutes de code, 5 minutes d'explication et de prise de temps. Depuis les derniers shortcuts, j'ai changé un peu de convention, parce que pareil, ça me prenait un peu trop de temps d'écrire des longs textes. Maintenant, je passe par des symboles. Donc tout ce qui commence par un plus, dans une phrase qui commence avec un plus, c'est des rajouts que j'ai faits. Tout ce qui va y avoir en fait en gros à tilde, ça va être des modifications. Tout ce qui commence par un symbole moins, un tiret, ça va être en fait des suppressions. Et tout ce qui est un point d'exclamation ou un point d'interrogation, point d'exclamation, ça va être des choses qui sont très importantes qui vont être besoin d'être rajoutées. Et point d'interrogation, ça va être des questions que je me pose sur directement le code, ce que j'ai fait. Si vous suivez en fait les shortcuts depuis le début, vous voyez que des fois il n'y a pas de code qui est écrit. C'est pas que entre guillemets je me tripote, c'est que je suis en train de relire le code plusieurs fois et en train d'essayer de comprendre ce qui pourrait être le plus simple ou pas à faire. Et le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de simple et d'utilisable par tout le monde et de documenter, etc. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier temps? Alors. Déjà, j'ai pris beaucoup de retard et je me suis fait prendre au piège de l'organisation. Vous avez une liste d'issues qui ont été créées. Normalement, on devrait travailler sur Beck 32 avec Marc prochainement en pair programming. La plateforme, elle est prête. Il va falloir l'utiliser, etc. Comme d'habitude, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais normalement, j'étais bloqué sur l'implémentation de NIP02. Cette implémentation-là, je l'ai laissée un peu de côté temporairement. Pour m'occuper d'une autre feature qui me semblait encore plus intéressante et importante, j'en avais besoin pour mes tests, c'était la génération de clés. Donc celui-là actuellement, je suis en train de le faire en parallèle de NIP02, ils vont être tous les deux mergés dans le même merge request. Ça a eu beaucoup d'implications sur l'infrastructure parce que NIP02 m'a fait ouvrir en fait les yeux sur plein de problématiques qu'il y avait au niveau de STR et en particulier la problématique des messages synchrones. Quand j'ai lu les premières spécifications de nos STR, avec les NIP, etc., je me suis rendu compte que, enfin, à la première vue, c'était de l'asynchrone. On envoie un message, et la seule façon de le contrôler qu'il a bien été posté, c'est de renvoyer en fait une request au serveur pour avoir une idée de quelle est l'état du message, s'il a été publié ou non. Jusque-là, ça me semblait cohérent, extrêmement simple et cohérent. Si le message n'est pas publié, alors on le renvoie. Malheureusement, lors de mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y avait, je crois que c'était le NIP. Oh, je sais plus, je crois que c'est NIP 20 ou un truc comme ça, qui met en place en fait un système de messages synchrones. C'est-à-dire, on envoie quelque chose au serveur et le serveur va répondre en fait si la donnée est valide ou non. Par exemple, si vous êtes autorisé à publier ou pas un message sur le serveur, si le message en question a été correctement conçu, etc. Tout ça, j'avais pas pensé, j'avais pas prévu au départ, parce que c'est un NIP que j'ai découvert après. Et quand j'ai commencé à traiter sur NIP 02, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais littéralement de la merde et ça, enfin pas de la merde, mais ça me bloquait pour avancer sur la suite des projets. Donc encore une fois, c'est pas une version de prod, actuellement c'est que du développement, c'est du 0.0 ou un truc comme ça, 0.01. Pour l'instant, c'est encore une fois un bac à sable, à raison de 6 heures par semaine, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Et donc j'ai développé la partie en fait gestion de clés, qui est quelque chose qui va être très important pour la suite. Justement pour un peu me délier les mains et me laisser le temps de réfléchir à comment je vais faire la nouvelle infrastructure. Donc on va essayer de faire un schéma de ce que j'ai commencé à faire avec d'un côté l'arbre de supervision qui est en Erlang et de l'autre côté les services actifs qui réagissent, qui interagissent plutôt avec le serveur. Donc l'application, elle est faite de la façon suivante. Si on résume un peu, on a notre nos STR sup, qui est en fait le premier, c'est notre superviseur applicatif, qui va se charger. On va regarder le code en même temps, comme ça va permettre un peu d'expliquer tout ce qui se passe et de faire un petit point. Je voulais le faire depuis un petit bout de temps parce que je pense que j'ai été un peu loin dans tout mon code. Donc ça, c'est le superviseur applicatif. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est pas documenté. Du moins pas assez, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été faites. Donc ce superviseur-là va démarrer deux autres superviseurs, enfin plusieurs superviseurs
et un worker. Donc déjà, il va démarrer un process qui s'appelle Noester Manager. Alors, ce manager-là n'est pas encore actuellement utilisé, mais il va me permettre en fait de gérer toute la partie qui va être présente un peu plus tard, toute la partie base de données, initialisation, spawn de clients, etc. et tout. C'est le manager qui va s'en occuper. C'est lui qui va faire après l'interface avec comment ça s'appelle, avec ah merde, l'API, etc. et tout, pour gérer en fait les configurations. La deuxième chose qui est créée, c'est le Noester Manager SUP. On verra ça après. Et après, on a deux autres processus qui sont générés par le processus applicatif, qui sont des processus que je ne gère pas moi-même directement, et qui sont des processus pour les groupes de process. Donc, on en a deux. On a le PG Group Client, qui va s'occuper de tous les processus clients, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a comment ça s'appelle? Un processus qui va être démarré pour le client, il va être tagué ou il va être mis dans le groupe client. Si on a un sur le relay, c'est relay, c'est pas serveur, en fait il va être tagué avec le relay. Mais tout ça, en fait, ces deux-là, je m'en occupe pas, je fais simplement que les spawner. Si vous pouvez le voir, ils sont ici, les deux sont là. Donc on a le starting ici, le scope, et le scope, en fait, je définis là. Lors du démarrage, on a spec PG client, spec PG relay. Ces deux-là vont permettre de démarrer les deux processus en question et gérer les process group pour justement taguer les différents composants. Ensuite, on a le manager sup qui va s'occuper de gérer deux autres clients, enfin deux autres process de supervision, qui vont être le process de supervision pour le relais et pour les clients. Je vais expliquer pourquoi je veux faire ça. Hop, on va mettre ça comme ça, on va faire un arbre. Donc celui-là, il va gérer ces deux processus. Donc on va avoir le Noester, je sais plus comment j'ai écrit ça, Manager Client. Relay ici et Manager Client au-dessus. Donc là déjà, je vais peut-être essayer de les séparer un peu mieux. Ouais, comme ça va être cool. Ce Noester Manager Client SUP et ce Noester Manager Relay SUP ont été créés pour une simple et bonne raison. Je veux que l'application que je suis en train de créer ne soit pas un seul client, mais puisse hoster plusieurs types de clients. Si vous voulez en fait en gros communiquer avec Noester, l'intérêt, non pas principal, mais une facilité qui peut être intéressante, c'est d'avoir plusieurs comptes. Et l'un des intérêts, en fait, en gros, c'est d'être totalement anonyme. On n'a pas réellement de boîte mail, etc. et tout pour valider les comptes. Et le fonctionnement initial de Noester était simplement, vous créez une clé privée-publique, vous diffusez la clé publique sur le réseau, vous signez vos messages, fin de l'histoire. Le but, c'était justement d'offrir plusieurs profils clients pour pouvoir gérer justement un ou plusieurs clients. Relais, la même façon, si on veut un relais spécifique, Noester en question de l'implémentation que je suis en train de faire doit être en capacité de déployer un ou plusieurs relais. Et j'expliquerai ça plus tard dans les détails en fait de l'architecture que je veux produire après. Ça va permettre, ça a des énormes implications sur ce que je veux faire en fait en gros d'un point de vue global. Maintenant, ça va être la plateforme que je suis en train de que j'étais en train de designer avant qui va changer après. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un client? Un client, donc si on regarde ici, on va aller sur Noester Manager Client SUP. Qu'est-ce que c'est qu'un client? Un client, c'est relativement simple. Un client, ça va être comment dire, un groupe de process, un arbre de process, de processus qui vont être démarrés et qui vont être contrôlés à partir du Noester Client SUP. À partir de là, tout ce qui va être en dessous de ce client-là, je le considère comme étant appartenant à un client. Et ça fait une partie des choses qui vont changer dans la nouvelle infrastructure. Noester Client SUP, qui est directement spawné à la demande en fonction de celui-là. Donc je vais faire un autre truc, je vais mettre des couleurs. Donc ça, c'est des workers en bleu. Et en rouge, ça va être des superviseurs.
Hop. Et les liens de supervision, je vais les dessiner en rouge, comme j'ai l'habitude de faire, pour vous expliquer un peu le fonctionnement et vous montrer la dépendance entre les différents processus. Et on va le mettre en j'ai dit rouge. C'est monté en rouge. Ok. Donc là, vous avez fait déjà une petite idée de ce qui se passe. Je vais juste en démarrer un seul. Donc admettons, on démarre un seul client. Le client, en fait, à partir de là, c'est du démarrage à la demande. C'est-à-dire que le client va être démarré et en fait, ce NoSTR client sup va contenir directement quasiment, peut-être pas toutes, mais une grande partie des options du client. Donc en fait, il va avoir la configuration embarquée directement dans sa structure. Chose qui à terme va potentiellement changer parce que c'est un peu complexe à manager. Mais ça permet en fait, en gros, d'avoir à un endroit toute la configuration qu'on veut avoir, ou du moins les éléments extrêmement importants de la configuration. Ensuite, donc le client SUP en question va démarrer une suite de process. Ce client-là, enfin ce superviseur-là, va démarrer un contrôleur. Donc c'est NoSTR client contrôleur qui va être un worker normalement. Ah non, c'est un superviseur celui-là, c'est celui qui est en dessous, c'est un superviseur. Hop. Ensuite, il va démarrer un routeur SUP. Ça aussi, ça va dégager sur le long terme. Il va démarrer un superviseur SUP. Subscription. C'est ça, ouais, c'est ça. Un outil de enfin un processus dédié à la connexion. Donc en gros, ça va être connection sup. Et il y en a deux qui ont été créés récemment, donc ça va être le contact et le key. Tout cela, ce sont des superviseurs. Celui-là, c'est un worker. Ok. Donc, Ah mince, j'ai mis en double. Connexion, contrôleur. Non, ok. Alors, le contrôleur actuellement n'est pas utilisé. Il va être utilisé un peu plus tard. C'était pour faire des tests que j'ai fait ça. Lui, il est utilisé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est on a un worker ici qui est en dessous. Potentiellement, il y en aura plusieurs. Pareil, je vous expliquerai après pourquoi c'est comme ça. Donc, on va aller faire un tour sur NoSTR Client Connection SUP, par exemple. Et là, on voit que son seul superviseur, c'est un spec connection, donc il va démarrer en fait un client connecté à un serveur distant. NoSTR, client connection. Cette connexion-là, elle est démarrée et connectée normalement, automatiquement, enfin du moins si le serveur est présent, à un relais NoSTR. Je le ferai la connexion plus tard. Cette connexion-là va s'initialiser. Tous ceux qui sont là, en fait, ils sont tagués directement avec la configuration du client, enfin pas la configuration avec un ID du client, du profil client. Et à partir de là, elles peuvent interagir ensemble. La majorité des messages pour être transférés directement au relais doivent passer par la connexion. Donc normalement, on a un routeur. Le routeur qui est ici, il y a un pool de serveurs. Je sais pas comment je vais pouvoir schématiser ça, moi. Hop. Je vais juste en mettre un seul pour le moment. En gros, on a pour le moment NoSTR Client Router qui est démarré. Il y en a plusieurs. Et tous les messages qui doivent être envoyés ou qui sont reçus par justement le NoSTR Connection transitent par celui-là, par justement le NoSTR Client Router. Et ensuite sont dispatchés sur les différents outils qui sont nécessaires. La subscription, c'est la même chose. La subscription, ce que je voulais à la base,
Ce qui va probablement s'y arriver, c'est qu'en fait, on a une subscription, un abonnement. Je vais parler en français parce que c'est compliqué de faire le switch à chaque fois. En fait, on a un abonnement client dédié dans un seul worker. C'est-à-dire que si vous avez 10, 10 abonnements, vous allez avoir 10 processus qui vont permettre de gérer ça. Un processus par abonnement. Les contacts, il y en a un seul aussi. Pour le moment, en fait, c'est un seul processus qui gère les contacts. Et le contact qui est fait de cette façon-là me plaît pas. Parce qu'en fait, à l'origine, ce que je voulais faire, c'était si on importe des contacts distants, le but, en fait, c'est d'avoir n contacts, enfin n processus contact en dessous d'une austère client. Et ça, je pense que ça va jarter, ça me plaît pas, c'est trop compliqué. C'est pas du tout ce que je veux. Pour le moment, c'est comme ça, mais ça me plaît pas du tout. Ça fait partie aussi de pourquoi j'ai mis un peu en stand-by sur NIP 02 pour le moment, parce que NIP 02 s'occupe de ça. Donc, maintenant, on va essayer de faire un peu les interactions entre tous les différents éléments. Comment on va faire ça? On va prendre ça et on va montrer ça. Donc, celui-là, il va aller se connecter ici. Ça va être un lien direct. Je vais le faire un tout petit peu plus gros. Et je vais le mettre en noir. Pourquoi ça me fait ça? C'est relou. Hop, en noir. Donc là, on a une interaction entre les deux. Alors, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, vu que j'avais planché sur du système synchrone, tous les messages de connexion sont envoyés au pool de routeurs. En gros, le routeur ou les routeurs vont recevoir plein de messages et c'est eux qui vont être en charge de dispatcher après vers par exemple les systèmes de subscription ou n'importe quel autre endroit pour recevoir les messages. Ce modèle-là convient dans le sens où si le client est simplement présent pour lire les messages qui arrivent, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Le problème qu'il y a, c'est en cas d'envoi de messages et de messages asynchrones, ce modèle-là ne fonctionne plus très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les routeurs, dans ce cas-là, vont devoir garder potentiellement un état des connexions et des échanges qui ont lieu entre les différentes parties du code. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que si on a un pool de routeurs, ça veut dire qu'on a forcément un endroit, un élément pour synchroniser qui et quoi et synchroniser les états. Et là, on rajoute une couche de complexité incroyable parce que notre élément qui est ici n'est potentiellement pas. Comment dire? En fait, en gros, toute la charge de travail va lui incomber dessus, va lui tomber dessus, et on rajoute en fait une complexité de synchronisation des états. Ces états-là, ils vont devoir être mis à jour, vont devoir être potentiellement gérés au niveau de timeout, et ça veut dire une complexité énorme pour quelque chose qui ne devrait pas être aussi complexe. Donc ça, déjà, ça me plaît pas et c'est un truc qui va jarter, et c'est pour ça que ma plateforme là va potentiellement changer ou être modifiée pour faire quelque chose de beaucoup plus simple et d'utilisable sur le long terme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a les contacts qui sont ici. Et les contacts et la clé qu'elle a doit pouvoir envoyer en fait les informations soit au routeur, soit à la connexion directement. Et doivent pouvoir aussi recevoir la validation comme quoi que leur donnée a été publiée sur le relais. Donc là, on est en synchrone. Je vais vous faire un exemple de message sur comment je vois les choses actuellement et pourquoi ça ne marche pas ce que j'ai fait. Hop, on va se prendre un petit message comme ça ici. On va le réduire un petit peu et je vous explique le principe. Donc, admettons qu'un utilisateur décide de générer sa clé, etc. C'est son premier profil. Donc la clé va être générée en fait sur le disque. Va être stocké dans un store actuellement non sécurisé, sécurisé simplement avec les droits Unix, et donc en gros il va générer ça. Donc c'est une espèce de base de données textuelles qui est actuellement ultra primitive, mais qui permet de contenir toutes les informations nécessaires à la génération du profil, et en particulier d'un type d'event, qui est l'event. Je vais vous trouver ça tout de suite. Hop, NIP 01, qui est l'event set metadata. Donc, le metadata, ça contient le nom d'utilisateur, un message en fait pour décrire l'utilisateur et par exemple un lien pour son image. Tout ça va être contenu et est déjà contenu dans Client OSTR.
Et ça sera exporté à terme, et c'est déjà exporté d'ailleurs, exporté en tant que metadata, métadonnées, dans la base de données en local, une base de données textuelle. Quand le client veut exposer ces informations-là à un serveur, le truc qui aurait dû se passer, c'est on envoie le message ici jusqu'au routeur, et le routeur le dispatche jusqu'ici. Il va là, et à partir de là, en fait, c'est le relais qui va être en charge de répondre. Il va répondre en fait à un message si c'est valide ou non. Tant qu'on n'a pas ce message-là, on ne peut pas dire si en fait, en gros, le système a été fonctionnel ou non. Et si l'event a été correctement publié ou non. Et je ne sais pas si vous voyez déjà la complexité. Là, on arrive déjà à quelque chose de beaucoup plus complexe parce qu'on a une gestion d'état. Donc, temporairement, ce que j'ai fait lors du développement, donc cette brique-là, elle est fonctionnelle, elle est totalement indépendante. La seule chose qu'on pourrait lui faire, c'est lui dire vers qui tu vas devoir communiquer. Pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que si un client doit pouvoir communiquer avec le relais directement, le NoSQL Client Key va directement informer la connexion pour envoyer le message. Et si le message est renvoyé, pour l'instant, en fait, il n'y a aucune gestion de ce message-là, on le drop. Donc le système de routage que je vais devoir créer, au lieu de se trouver ici, il va être un peu en amont et il va être déjà partagé avec potentiellement tous les clients. Et les messages qui vont être envoyés vont devoir contenir leur propre état. C'est déjà pas du tout le même travail qui était prévu à la base, comme quoi que même un protocole qui est censé être simple devient extrêmement compliqué sur le long terme, justement pour la gestion de tout ce qui est état, etc. Donc ça, c'est la partie en gros où je suis en train de travailler et l'architecture actuelle de la côté client. Maintenant, du côté relay, parce que j'ai travaillé aussi pas mal sur la partie relay. La partie relay, elle est extrêmement basique. Donc, il y a NoSQL Relay SUP, ça fonctionne exactement de la même façon que la version du client. On a un listener, donc NoSQL Relay Listener, qui est juste ici, qui va s'occuper en fait de mettre en écoute un socket. Ensuite, on a un release. Alors, le listener, dans mes souvenirs, qu'est-ce qu'il fait déjà le listener? J'ai oublié. Je vais faire un petit tour, parce que j'étais tellement codé dessus. Je crois il démarre un pool d'accepteurs aussi, mais j'ai un doute. Ah non, ok, on utilise range pour le faire. Oui, effectivement. Donc en fait, le NoSQL Relay Listener, qu'est-ce qu'il va faire? C'est simplement un processus qui va faire le contrôle d'une connexion gérée par Ranch et Cowboy. Et donc il va y attendre les connexions en WebSocket pour pouvoir ensuite les forwarder aux bons endroits. Et cet outil-là en particulier, ce processus-là, relativement simple dans le sens où ce qu'il y a derrière, ça va être la gestion du store et des subscriptions. Pour l'instant, les subscriptions ne sont pas encore fonctionnelles, du moins pas comme je l'entends. Donc, on a ça qui est géré ici. Il faut que je change les couleurs après. Hop. Et on a le store, le store, le store qui est ici. J'aurais peut-être dû décaler tout ça parce que ça commence à devenir un peu compliqué. Hop. Donc ça déjà, c'est ici comme ça. Voilà. Et je me suis planté sur mon schéma. NoSQL Relay SUP. Ça, on supprime. Ça donne quelque chose plutôt comme ça. Juste pour vérifier, ouais, c'est ça, subscription, sauf que
Celui-là, c'est du sup. Donc ça, c'est un superviseur. Celui-là, on va le remettre en rouge. À petit point. Celui-là supervise celui-là. Celui-là supervise celui-là. Et celui-là. Ouf, désolé. Celui-là supervise celui-là. Et pourquoi c'est pas rouge? Hop, comme ça. Et là, on a potentiellement une subscription. Pool de subscription qui va être utilisé. Hop, comme ça. Ça pareil. Hop, et ça, c'est des workers. Ok. Donc, là, c'est globalement le Aurélien OSTR. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi vous avez, pourquoi t'as pas fait deux applications différentes, un pour le client, un pour le relay, etc. Pour plusieurs raisons. Premièrement, dans ma philosophie, quand on crée un serveur, il faut aussi livrer le client avec. Ne serait-ce que pour une seule bonne raison, c'est que si d'autres personnes veulent copier ce que vous faites ou reproduire votre système, vous devez absolument avoir une implémentation, même si c'est un exemple, même si c'est pas fonctionnel à 200%, même s'il manque des features, il vous faut un outil pour en tout cas être la base de ce qui va être utilisé par d'autres personnes potentiellement. Donc déjà, premièrement, pourquoi ça? Parce que pour moi, quand on livre un projet, si on a un serveur, on livre un client. Si on fait un client, on livre un serveur, même primitif, ou lié à un autre projet externe, etc. En tout cas, on en parle et on dit, voilà, si vous voulez le tester, testez-le comme ça. Ensuite, un client, à terme, aura la possibilité d'être connecté à plusieurs relais. Et par défaut, ce que je veux, c'est qu'un client soit aussi co connecté directement à un relais local. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les messages, par défaut, je veux qu'ils soient envoyés sur un relais distant. Donc là, jusque-là, je vous fais un schéma, hein, tac, 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 ça va jusqu'ici, ça va jusqu'au relais NoSTR. Mais je veux aussi qu'ils soient connectés, en fait, à un relais local, sur une boucle locale où on store les messages. Tous les messages qui seront envoyés là seront aussi forwardés localement et stockés localement pour l'utilisateur et le client et pour les réutiliser ou les rediffuser plus tard. Donc en faisant ça me fait tester le client et ça me fait tester localement le serveur. Mais il y a aussi un autre truc que je voudrais faire. Si vous regardez dans les comment s'appelle les tâches que j'ai créées sur GitHub. Il y a peut-être un truc qui va vous donner, qui vous a fait tiquer si vous avez le temps de regarder. C'est que tout en bas, vous avez une implémentation native de deux protocoles qui sont plutôt bien connus dans le monde de la sécurité informatique, voire même en fait plus dans la sécurité maintenant un peu partout, c'est Tor et IDP. Et moi, mon idée, c'est que si on a la possibilité de créer un relais local, on peut aussi créer des relais à la demande sur des réseaux totalement alternatifs et distribués. Et vous pouvez très bien imaginer que un client puisse être connecté à un relais qui est justement dédié à un autre client localement. Donc en gros, un relais qui va être... Comment on pourrait expliquer ça? En fait, je compte offrir, je veux donner la possibilité que chaque personne, s'il suit son projet, ait la capacité de déployer son propre client avec ou sans nom de domaine. Et potentiellement, avec ou non, certaines contraintes de vie privée, etc. Donc, utiliser Tor, IDP ou n'importe quel autre type d'algorithme qui permet en fait de partager, d'échanger les données. Mais aussi de stocker localement pour pouvoir faire des backups, des sauvegardes, etc. Et tout. Et le tout, évidemment, ce que j'aimerais faire, c'est le chiffrer. Et le store qui est ici, à terme, il devrait être configuré pour avoir plusieurs types de back-end. Pas qu'un seul back-end, il devrait en avoir plusieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un back-end? Si vous voulez stocker sur AWS, si vous stockez en local ou n'importe quoi dans une base de données, ça pourra être fait en toute transparence. Ce qui fait que si vous avez simplement une plateforme pour 10 personnes, bon, avec quelques messages par jour, vous n'avez pas besoin d'un truc énorme, vous n'avez même pas besoin d'une base de données, vous stockez toutes vos données en local, sur des fichiers plats, ça fonctionnera.
Si vous avez besoin en fait de monter en niveau et de monter en gamme avec, parce que vous avez, je sais pas, je vais dire une connerie, mais 1000 ou 2000 utilisateurs, ou peut-être 3000, 4000, 5000, vous avez la possibilité d'utiliser d'autres backends avec une conversion des données entre différents backends. Et c'est exactement ce que je vais offrir avec Noester, parce que moi, ça me fait travailler sur des problématiques qui m'intéressent. La problématique de synchronisation et surtout la problématique de synchronisation entre différents types de protocoles. Quand j'avais commencé à travailler sur l'implémentation de ZFS avec Erlang, j'étais arrivé à un point où je me suis dit, mais ça pourrait être vraiment génial d'avoir une abstraction forte pour la majorité des systèmes de fichiers et des systèmes de stockage. Je vous donne un exemple. Vous avez ZFS, BetterFS et Hammer. Hammer, c'est un système de fichiers qui est sous Dragonfly BSD et qui aurait dû être porté à une période sous OpenBSD. Ce sont des systèmes de fichiers hiérarchisés et enfin, qui utilisent des, comment ça s'appelle, des principes de base de données. Donc vous pouvez faire des snapshots dessus. Et les snapshots en question peuvent être réintégrés et réappliqués, enfin copiés et réinstallés à d'autres endroits, donc clonés. Le format de fichier qui est exporté, on pourrait imaginer en fait un format de fichier au-dessus qui permette de faire la conversion en native entre du ZFS, du BetterFS et du Hammer. Et il y a quoi, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, quand je bossais là-dessus, je m'étais arrêté à ça. Dans le sens où, pour moi, c'est typiquement le genre de projet que je veux faire. Il y a la seule problématique que j'ai eu à l'époque avec ZFS, que j'aurais pas ici, c'est que quand vous faites du ZFS et que vous avez des snapshots, vos snapshots, ils font potentiellement, chez certains clients, peut-être 600 gigas, 500 gigas, 1000 gigas. Enfin, on passe au Tera après, etc. Et c'est juste ingérable. C'est-à-dire que Erlang n'a pas la capacité de stocker temporairement en mémoire ce genre d'information. Et donc, moi, mon implémentation ne fonctionnait que pour des petits volumes. Et au bout d'un moment, en fait, il ne pouvait plus supporter la charge et la mémoire était bien trop utilisée. Donc, j'avais trouvé d'autres modèles pour gérer ça, mais qui étaient trop compliqués à mettre en place. Et j'ai dû, bon, pour différentes raisons, parce que j'ai quitté la société en question après aussi. Mais j'avais pas la capacité de gérer des gros volumes de données. Là, potentiellement, ne serait-ce qu'avec le parti Noester Relay Store, je vais avoir la possibilité de créer des interfaces ou des données de comment ça s'appelle, de compatibilité entre différents types de structures de données, et donc m'amuser à travailler sur cette problématique que j'ai eu à ZFS, avec ZFS à l'époque, mais que j'ai pas eu le temps de régler, le faire avec un projet beaucoup plus petit et beaucoup plus malléable qui est Noester. Donc voilà, ça c'est l'image que vous avez en face de vous là, c'est la structure actuelle comment s'appelle, des clients et du relais qui sont actuellement utilisés au sein du projet Noester sur Erlang. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Donc, est-ce qu'on a un truc genre cross? Non, on n'a pas. Dead, Skull. Sais pas, j'ai peut-être trouvé un truc qui m'intéresse là-dedans. Non, je sais pas ce que je veux. Tant pis. Je vais les supprimer directement. Donc là, vous avez bien en tête ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais hop, faire un copier-coller de ça. Donc le nouveau modèle d'architecture qui va être fait, c'est que je vais essayer de mutualiser le maximum de composants. Et des composants, typiquement, ils n'ont pas besoin d'être là. Donc ce composant-là, il va être supprimé. Et il va être partagé et mis directement ici. Et c'est les données, les structures de données qui vont être partagées lors des messages qui vont permettre en fait au routeur de savoir où router les informations. Donc ça va déplacer. Le contrôleur qui est ici, il va rester ce que c'est lui directement au client et il n'y a qu'un seul processus. Le connexion SUP ici, il est trop compliqué, ça sert à rien, il va être supprimé. Hop, et en gros, ça va venir comme ça. Hop. Ensuite, on a
celui-là, on va pas pouvoir le déplacer, en tout cas au niveau du client, mais vu qu'en gros c'est un outil de subscription, on peut le partager et le mettre à la disposition de tous les autres clients. Hop. Ensuite, donc ça pour l'instant on va supprimer les workers. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Et la liste des contacts, pour moi aussi, c'est une autre problématique que je risque d'avoir, c'est que si on a une liste de contacts, il faut qu'on les garde en cache quelque part. Donc potentiellement, là pour le coup, c'est pas forcément sûr, mais potentiellement, celui-là va devenir aussi un processus partagé. Hop. Donc, tout cela, ils vont gérer des pools de clients qui vont être spawnés soit à la demande, soit en fait, en gros, les données qui vont être transitées dessus n'auront aucune information autre que en fait d'où vient et d'où provient le message. Si on a un message qui doit arriver, par exemple, d'ici, le message va être envoyé sur le routeur et lors de l'envoi du message, il va contenir en fait toutes les informations sur le client d'origine et la connexion et où ça doit aller. Et le routeur qui est là va router en fait cette information-là potentiellement sur la connexion. Et là, ça m'arrive à un autre point, c'est que tout à l'heure je parlais de la connexion qui était ici. Parce que ça, c'était, c'est vrai que j'avais oublié, mais normalement ça faisait partie du truc que je voulais potentiellement faire aussi. Les connexions aussi potentiellement pourrait être partagé. Je dis bien pourrait parce que ça fait partie des tests qu'il faut que je fasse et j'ai pas eu le temps de faire. Et là, en faisant ça, on se retrouve avec quelque chose qui est totalement, mais alors vraiment totalement déconstruit. Et la seule chose qui va nous rester, c'est que un client, c'est quoi? C'est un profil qui va contenir sa clé et ses métadonnées, les subscriptions qu'il a liées à sa configuration qu'il a sur le disque ou dans la base de données, et tout le reste, c'est du partagé. C'est-à-dire que par défaut, cette application-là, si elle n'est pas connectée, en fait, en gros, il n'y a pas de client de connexion démarré directement et partagé ici. Et aussi simple que ça, on a la possibilité en fait d'avoir à un seul endroit peut-être un processus ou deux processus. Enfin, N processus, parce qu'en fait, en gros, on a les clients de subscription ici. D'ailleurs, c'est pas contrôleur, c'est subscription. Je me suis trompé tout à l'heure. Non, même pas en fait. On peut très bien le réutiliser. On peut très bien le réutiliser, donc non, c'est bon. Le contrôleur ici qui va s'occuper en fait tout simplement de contrôler, d'envoyer des différentes informations pour le client en question. Bref, c'est un schéma. Mais c'est ce que je suis arrivé à terme à penser à ça comme ça, parce que la majorité de ce qu'il y a ici, il n'y a aucun intérêt à ce que chaque client ait son propre truc dédié. Tout peut être embarqué dans les messages. Donc le payload qui va être envoyé entre les processus va être légèrement plus important, mais aussi il va permettre en fait de mutualiser la charge. Et donc vous pouvez très bien imaginer que si vous avez un cluster de, je sais pas moi, une dizaine de nœuds, ces mêmes processus superviseurs vont être démarrés sur les différents nœuds, ils vont avoir tous un pool de, disons, 1000 workers. Okay? Et ici, la seule chose qu'il va y avoir, ça va être simplement ce nœud de supervision qui va être potentiellement déplacé entre les différents nœuds en cas d'échec sur un nœud. Et au lieu de déplacer à chaque fois un pool ou un groupe, en fait, en gros de routeurs, on va juste déplacer ça. Et à terme, ces informations-là, potentiellement même, pour une bonne partie d'entre elles vont être stockées dans une base de données Amnesia ou je sais pas PostgreSQL et compagnie, donc exportées au niveau de la complexité directement du code, ce qui va nous simplifier la vie après pour la migration des données et justement comment transiter les données à gauche et à droite. Donc ça c'est le nouveau plan que je compte mettre en place justement pour pouvoir gérer tout ça. Alors la structure ici elle me plaît pas encore très bien parce que je suis pas sûr que le client manager sub soit la bonne idée, enfin le bon endroit pour stocker tout. Il y a peut-être besoin en fait d'un autre tree à côté, genre je sais pas, un OSTR common process ou je sais pas quoi, pour stocker tout ça d'un côté pour dire qu'en fait c'est des choses qui sont partagées, c'est un pool de travailleurs qui sont partagés, qui sont dédiés pour certains types d'applicatifs. Alors que justement le OSTR client sub qui est ici va être dédié intégralement justement pour la connexion d'un seul client.
Et ce que je veux, c'est minimiser au maximum dès le départ l'utilisation mémoire, l'utilisation process, etc. et tout qui va être fait pour ce type de connexion. Ah si, autre point. Pourquoi je parle de l'extériorisation des connexions? C'est que potentiellement, ce qui pourrait être mis en place, c'est du partage de connexions. Comment expliquer ça? Au lieu d'avoir un client, une connexion, on a N clients pour une connexion. S'il y a un nouveau client qui arrive et qui a besoin d'avoir accès à un relais qui existe déjà, qui est déjà connecté sur le système, il n'y a pas besoin de recréer une nouvelle connexion. On va réutiliser la connexion existante. Aujourd'hui, en fait, dans nos STR, j'ai pas vu dans les NIP s'il y avait en fait une identification au niveau des connexions. En faisant ça, en fait, on permet directement d'éviter d'utiliser trop le réseau pour rien, dès le départ. Et il y a un autre truc aussi, c'est que cette application-là, si on a plusieurs nœuds, on peut s'imaginer qu'on a une connexion active par nœud. Si un nœud tombe, le message qui sera envoyé, en fait, potentiellement ne sera pas perdu ou pourra être tout à fait envoyé parce qu'un autre nœud sera up et pourra envoyer le message sur une autre connexion déjà active. Voilà en gros mon idée, ma réflexion après ce mois de développement sur nos STR. Qu'est-ce qui reste à présenter maintenant? Parce que c'est bien beau, je vous montre la nouvelle architecture, etc. Moi j'aimerais bien finir celle-là parce que je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que mes briques essentielles sont trop dépendantes les unes des autres. La seule brique qui n'est pas trop dépendante à l'heure actuelle, c'est celle-là. Celle-ci, elle est pratiquement. Il n'y a quasiment pas de dépendance. C'est-à-dire qu'on supprime le superviseur qui est ici, on prend le worker qui est là, on peut en spawner autant qu'on veut, ça fonctionnera. Il y a quasiment aucun problème avec ça. Il est totalement indépendant. On peut même avoir plusieurs clients nos STR key, enfin c'est le key store, ouvert et pourtant vers le même fichier en même temps. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, mais qui permet potentiellement d'avoir justement de la réplication de données entre les serveurs. En gros, voilà. Qu'est-ce qui va rester à faire? Il va rester à faire sur la partie relais, toute la partie en fait gestion de données et stockage des informations dans la base de données. Il va rester à faire aussi le routage et le changement d'infrastructure complet au niveau du routage, qui aujourd'hui ne me convient pas du tout, justement parce qu'il y a un problème des messages synchrones et des réponses qui sont envoyées par les relais en fonction des différents messages potentiellement en erreur ou non. Et je pense que c'est déjà pas trop mal. Je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Pourquoi ça marche pas? Désolé, je fais juste un petit truc. Désolé pour l'écran noir. En gros, ça vous donne une petite idée de ce qui a été fait. Et je vais arrêter dans pas longtemps. C'était juste un énorme point là-dessus. Il n'y aura pas de code aujourd'hui. C'est juste pour vous donner un petit état de l'avancement de nos STR et de potentiellement l'infrastructure suivante qui va arriver, qui sera, à mon avis, je dis bien à mon avis, l'infrastructure finale, en tout cas au niveau du système de routage. Sachant que le système de routage qui est ici, c'est vrai que j'ai oublié de le notifier, sera peut-être, je dis bien peut-être, aussi présent ici. Et ce sera du NoSTR simple routeur. Parce qu'il sera partagé et par le serveur et par le client. Donc, ça, à terme, potentiellement, ça pourrait être aussi des idées que je comptais faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à chaque fois partagé ou avoir un routage dédié pour chacune des applicatifs, relais, clients, quoi que ce soit, avoir un NoSTR routeur quelque part, qui en fonction du message reçu, si c'est un client ou un relais, va savoir où router l'information, où l'envoyer et où stocker en fait ce qui a besoin d'être stocké ou non. Et bah voilà. Ça vous donne un petit aperçu de ce qui a été fait et de ce qui est en cours. Et j'espère que le schéma vous plaît. J'ai pas vraiment de questions en live. Pas grand monde sur Discord. Je vais vous laisser tranquille. C'est aussi une note pour moi-même pour voir l'avancement de ce que je fais.
Et je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end. Il est 17 h, c'était très très court, 50 minutes. Mais j'espère qu'il y a assez d'informations pour vous. N'hésitez pas à poser des questions sur YouTube ou même vous piguer sur les différents réseaux sociaux, Twitter, etc. Et on en reparle. J'enregistre ça et je vais vous souhaiter un très bon week-end. Hop. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.